la souveraineté alimentaire une priorité pour le Burkina Faso, à l'instar des autres pays membres du CILS. Les défis en la matière ont clairement été définis lors de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue hier, 15 avril, à Bamako. Le président de la transition qui a pris part à la rencontre a également présidé, cette fois à Ouagadougou, le 9e dialogue politique entre PTF et gouvernement burkinabé. Le dialogue, lui, est axé sur l'économie du côté de l'oncle Sam, où le chef du gouvernement prend part au 5e forum économique des Amériques. Au cours d'un panel qu'il a animé, Yacouba Isaac Zida a partagé son optimisme quant à l'émergence certaine de l'Afrique et du Burkina, qui est riche de sa jeunesse. En attendant, pour la Direction générale de la météorologie, il faut savoir faire face aux variabilités climatiques et à ses conséquences. Anticiper, c'est le maître mot d'une réunion en cours à Ouagadougou et à laquelle prennent part des scientifiques venus du Burkina et d'ailleurs. Ces différents titres seront développés au cours de ce 20h que j'ai le plaisir de vous présenter. Bonsoir et bienvenue. La 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du CILS s'est achevée hier 15 avril à Bamako au Mali. Le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel se veut plus proche d'institutions comme la CEDEAO dans le but d'être plus dynamique. Les questions de sécurité alimentaire et de résilience au Sahel ont animé les échanges de cette rencontre de haut niveau. Les travaux ont été suivis à Bamako par nos envoyés spéciaux Alidou Badini et Fousseni Kido, dont voici le reportage. La sécheresse et les changements climatiques se moquent des frontières des pays du Sahel. Les chefs d'État et de gouvernement du CILS, le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, en se retrouvant ce 15 avril à Bamako, souhaitent davantage des actions contribuant à une meilleure articulation des interventions de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la sous-région. La gestion durable des ressources naturelles au Sahel a été également au centre de cette rencontre au sommet. Le CILS a des dispositifs qui permettent, à la fois si vous voulez, à travers des projets, s'assurer que nous améliorons la production, mais également que nous améliorons ce que nous appelons la résilience des populations à l'insécurité alimentaire. Donc des actions ont été menées par le CILS et les chefs d'État ont, si vous voulez, apprécier positivement et encourager, eux-mêmes se sont engagés à encore supporter le CILS à travers des réformes. Des réformes liées à son statut, à son personnel, liées également au fait qu'il s'est étendu maintenant à quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, et tout ça donc dans le cadre de la sécurité. Ces actions de lutte contre la sécheresse et pour la sécurité alimentaire dans les pays du CILS sont souvent perturbées par l'insécurité qui sévit dans la région depuis quelques années. Et pour les chefs d'État, le défi sera surtout de sauver les 4 millions de personnes de l'espace CILS en état de crise alimentaire et les 10 millions de personnes en état de fragilité alimentaire. En cela, le rapprochement avec la CEDEAO est salutaire. Il est primordial que le plan quinquennal 2015-2020 que nous venons d'adopter bénéficie de l'attention qui sied afin d'atteindre les objectifs escomptés. Par ailleurs, l'examen des questions d'ordre administratif, financier, institutionnel, en particulier le processus de coopération CILS-CEDEAO, nous exhorte à ne point laisser faiblir la vision et la dynamique nouvelle impulsée pour la bonne marche du CILS. Le bien-être des populations du Sahel en dépend, et notre devoir est d'œuvrer sans relâche à rendre possible, comme le dit le slogan, un autre Sahel. En convenant de se retrouver à Nouakchott en 2017 pour la 18e conférence, les chefs d'État du CILS ont porté Ibrahim Boubacar Keïta du Mali à la tête de l'institution. Le nouveau président du CILS n'a pas tardé à indiquer ses priorités, qui concernent surtout la mobilisation des ressources financières et faire du CILS un instrument privilégié de développement durable pour ses membres.
De retour à Ouagadougou, le président de la transition a pris part au dialogue politique entre PTF et autorités burkinabées pour la 9e fois consécutive. La séance de travail a été un cadre propice aux échanges directs, les préparatifs des élections couplées présidentielles et législatives, la gouvernance économique, sociale et sécuritaire ont été les questions inscrites à l'ordre du jour de la rencontre tenue ce matin à Ouagadougou. Le point avec Estelle Judith Assogba. Politique Burkina Faso Union européenne se déroule dans un contexte de grandes réformes intervenues l'année dernière au sein de l'Union européenne et du soulèvement populaire qu'a connu le Burkina Faso les 30 et 31 octobre 2014. Les deux parties ont à cette rencontre évoqué les sujets d'intérêt général, la situation socio-économique du Burkina Faso, les problématiques de la sécurité nationale et régionale. Du côté de l'Union européenne, ils se sont focalisés sur les évolutions institutionnelles au plan européen, les moyens, les instruments et les appuis que l'Union européenne apporte au Burkina Faso de manière générale et plus particulièrement en cette période de transition. La nouvelle dynamique de coopération, axée sur la nécessité d'améliorer la mise en œuvre de la stratégie commune Union européenne-Afrique par l'adoption de la feuille de route pour la période 2014-2017, met entre autres l'accent sur la paix et la sécurité, la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l'homme et bien évidemment sur les questions de développement et de croissance durable. Sur le point des préparatifs financiers et logistiques des élections présidentielles et législatives d'octobre 2015, au dit du vice-président de la Commission nationale électorale, les choses semblent bien se dérouler sur le plan logistique. Cependant, des difficultés demeurent au niveau budgétaire. Le budget des élections n'est toujours pas bouclé. Nous avons encore un gap de 18 milliards 662 millions à rechercher et sur 54 milliards. Nous avons foi qu'avec l'Union européenne et bien d'autres partenaires, ce gap sera comblé pour la tenue effective des élections en octobre. À cette 9e session du dialogue politique entre le Burkina Faso et l'Union européenne, les partenaires ont une fois de plus marqué leur adhésion et leur engagement à apporter leur soutien au Burkina Faso conformément à la coopération qui les lie et prévoit d'autres mesures spécifiques en cette période de transition. L'Union européenne s'est engagée à apporter un appui de 5,5 millions d'euros, à peu près 3,7 milliards de francs CFA, à quoi s'ajouteront des contributions des États membres, ce qui devrait représenter un niveau d'appui supplémentaire de l'Union européenne d'à peu près 7 milliards de francs CFA, d'appui spécifique aux élections. Deuxième chose, l'Union européenne, après décision des États membres et des institutions, va apporter un appui budgétaire exceptionnel en dons à votre pays sur l'année 2015 et l'année 2016, qui sera d'au moins 100 millions d'euros, dont plus de la moitié sera décaissée pendant la transition, vraisemblablement un montant qui se situera entre 35 et 45 milliards de francs CFA, de dons exceptionnels, compte tenu de la période traversée par votre pays et compte tenu des besoins particuliers de la transition. Et enfin, il y aura très certainement, en appui aux élections, une mission d'observation électorale qui représentera donc un accompagnement technique et politique. La volonté ferme des autorités de la transition, c'est de réussir l'organisation des échéances électorales d'octobre prochain. Elles disent compter sur l'appui de ses partenaires pour relever ces défis. Rendons-nous à présent à Miami où se trouve le chef du gouvernement burkinabé, Yacouba Isaac Zida, au Forum économique des Amériques, a développé une thématique sur les stratégies et les potentialités économiques de l'Afrique en général et du Burkina Faso en particulier. Il s'est agi d'un exposé complet à travers lequel il a adressé un message incitatif aux investisseurs. Souleymane Sanou et Driss Asséré y sont nos envoyés spéciaux. Navigating the Global Trading System, The Next Frontier. Après avoir défini les différents concepts auxquels renvoie un tel thème, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida considère l'Afrique comme le prochain continent émergent, cela malgré de nombreux défis identifiés. Cet optimisme s'inspire de l'agenda 2063 pour le développement de l'Afrique pour les 50 ans à venir, agenda adopté par les chefs d'État de l'Union africaine. En ce qui concerne le Burkina Faso,
Isaac Zidane n'y va pas par quatre chemins. C'est un pays à croissance appréciable. Il dispose de nombreux atouts et potentialités et constitue pour les investisseurs un terrain fertile. Notre pays dispose d'énormes potentialités, atouts et opportunités ou simplement des avantages comparatifs dont je voudrais juste citer quelques-uns. Premièrement, le Burkina a une population jeune, dynamique et très travailleuse. Et le Burkina est un pays qui connaît également actuellement un boom minier, avec l'or, le manganèse comme principaux minerais en exploitation. Et nous avons adopté tout dernièrement, au mois de mars, un nouveau code minier qui est très attractif. Le Burkina, dans son ensemble, est un pays agricole et donc grand producteur de coton, qui n'attend bien sûr que des investissements pour la transformation de cette matière première. Selon le Premier ministre, plus que des potentialités en ressources, le Burkina regorge d'opportunités d'investissement économique à tout point de vue. Les trois pôles de croissance, Bagré, Sourou, Samandeni, les mines en construction, les secteurs agricoles, industriels, les transports et le tourisme sont autant de domaines dans lesquels les investisseurs peuvent réaliser un retour sur investissement. C'est pourquoi il a souhaité qu'un véritable partenariat puisse s'établir entre les investisseurs américains et les pays africains, particulièrement le Burkina Faso. Et en marge de ce forum économique de Miami, le Premier ministre a reçu en audience le président de la Banque africaine d'import-export. Les échanges ont porté sur des projets stratégiques à mettre en œuvre pour un développement certain du Burkina Faso. Monsieur Jean-Louis Ekra, le président de la dite banque, nous expose les différents projets abordés avec le Premier ministre dans cette interview. Essentiellement les pipelines qui devraient être réalisés soit à partir des ports d'Abidjan ou des ports de Tema au Ghana pour attirer ces pipelines jusqu'à soit Bobo ou à Ouaïga et constituer des dépôts pour permettre non seulement la sécurité en termes d'hydrocarbures mais aussi permettre de réduire les coûts du revient du pétrole. Nous avons aussi évoqué la possibilité d'intervention dans le domaine du coton, qui est une des exportations importantes du Burkina Faso. Et aussi, nous avons parlé des possibilités d'intervention dans les secteurs miniers. Voilà donc pour l'actualité de la tournée américaine du Premier ministre avec nos envoyés spéciaux Souleymane Sanou et Idriss Assiré. Revenons à Ouagadougou où une visite retient l'attention, celle que les membres du barreau ont effectuée à l'hôtel du député. La vision et les missions du barreau ont été exposées au président du Conseil national de la transition, Maxime Zongo, a recueilli pour nous les propos du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la fin de l'audience. Le barreau fait partie des institutions de la République et en tant que tel, c'est un devoir pour nous de rencontrer les plus hautes autorités de l'État. Et c'est dans ce cadre que nous avons rencontré le président qui a bien voulu nous recevoir. Et pour le remercier aussi de son appui lors de notre rentrée solennelle et notre 25e anniversaire le 19 mars écoulé. Nous avons profité aussi évoquer avec le président un certain nombre de questions touchant à la vie du barreau, mais qui intéressent les citoyens. Nous avons profité également parler de la question des droits humains. Nous sommes très attentifs à l'évolution de notre droit national. Quant à l'abolition de la peine de mort, il y a des projets de loi qui n'avait pas pu aller à terme. Aujourd'hui, nous pensons que, avec la volonté politique, cette proposition de loi au CNT peut être adoptée. Et le barreau qui a signé la déclaration de Barcelone avec plus de 120 barreaux au monde sur l'abolition de la peine de mort est prêt à accompagner le CNT en matière de communication, en matière de plaidoyer sur cette exigence des droits humains. La conférence de presse, c'est l'exercice médiatique choisi
par le Parti politique pour le développement PPD pour apporter certains éclaircissements. Non, le PPD n'a fusionné avec aucun autre parti politique. Et oui, le parti va prendre part aux futures élections municipales et législatives. Les précisions dans ce compte-rendu que signe Wendata Nathalie Kaoré. Créé en janvier 2010, le Parti patriotique pour le développement est aujourd'hui implanté dans 6 régions du Burkina Faso, selon le président de ce parti. Le PPD salue l'insurrection populaire à laquelle ses militants auraient participé activement en octobre 2014. Pour ce parti, l'heure est maintenant venue pour les Burkinabés de se préparer pour choisir des dirigeants capables de leur offrir des meilleures conditions de vie. Et pour les futures élections, le PPD prendra part aux municipales et aux législatives. Faute de moyens, ce parti ne présentera pas de candidat pour la présidentielle, mais il y participera autrement. Nous soutiendrons tout de même un candidat dont la vision pour le peuple aura des points de convergence avec le projet de société du PPD et qui sera à même d'assumer le passé, assurer le présent et de garantir l'avenir du Burkina Faso. Sur la rumeur faisant cas d'une fusion du Parti patriotique pour le développement avec le mouvement du peuple pour le progrès, les responsables du PPD ont apporté un démenti. Le PPD n'a jamais eu d'accord de fusion avec un parti. Nous respectons ce parti qu'est le MPP, mais notre parti reste autonome pour le moment avec ses ambitions et son propre projet de société pour la construction d'un Burkina de paix et d'union entre ses filles et fils. Pour l'heure, l'ambition du PPD est de ratisser large lors des futures élections, avec pour objectif d'être représenté à la future Assemblée nationale et de diriger plusieurs mairies à travers le Burkina Faso. Pour leur part, la bataille est engagée pour obtenir le retrait du nouveau code électoral. Les partis de l'ex-majorité ont annoncé avoir saisi le Conseil constitutionnel et la Cour de justice de la CEDEAO pour annulation du texte. Le Congrès pour la démocratie et le progrès et ses alliés ont également condamné les arrestations des anciens dignitaires du régime déchu. Dramane Guéné nous fait le point de la rencontre. Promulgué le 10 avril dernier, le nouveau code électoral est toujours dans le viseur de l'ancienne majorité. Après la déclaration d'appel à manifestation contre le code, le CDP et ses alliés sont passés aujourd'hui à la vitesse supérieure. Nous avons déposé un recours contre la révision du code électoral devant le Conseil constitutionnel. Parallèlement à cette démarche et tenant compte du calendrier électoral, nous déposerons également un recours devant la Cour de justice de la CEDEAO. En attendant l'arrêt des deux instances, l'ex-majorité maintient sa politique de la chaise vide au sein des organes de la transition tout en y apportant des réaménagements. Nos partis ont choisi de laisser aux députés du groupe parlementaire ARD la latitude de manifester cette protestation par les initiatives concertées qu'ils jugeront appropriées en fonction des pratiques parlementaires en cours au CNT. Ils peuvent, par exemple, choisir de se retirer ostensiblement des séances plénières de cette Assemblée après l'appel de leur nom. Le troisième point de cette conférence de presse s'intéresse à l'arrestation des dignitaires du régime déchu de Blaise Compaoré. Nous voulons qu'une justice égale pour tous soit rendue avec les garanties prévues par la loi à l'égard de tous les citoyens présumés avoir commis des infractions et notamment à l'égard de toutes les personnes dont l'enrichissement peut soulever légitimement des interrogations au regard de leurs revenus connus et licites. Le document de manifestation publique contre le nouveau code électoral intitulé « Appel à mobilisation patriotique pour une transition inclusive et démocratique » est signé actuellement par 9 partis politiques, selon Léonce Conné. Et justement, par rapport aux interpellations, arrestations et incarcérations des anciens dignitaires du régime déchu, le ministre en charge de la Sécurité vient d'achever une rencontre avec les médias. D'autres points ont aussi été abordés par Auguste Denis Barry, à savoir le vote de la loi du code électoral et la sécurité d'une manière générale. En attendant de revenir plus en détail sur la rencontre, Claudine Bikaba nous en propose un extrait.
savons très bien comment est-ce que les choses fonctionnent au niveau de la justice et nous savons également pourquoi ces gens-là ont été interpellés, parce que nous sommes également dans un moment délicat où les délais sont importants. Nous sommes déjà à 5 mois et nous sommes rentrés au 6e mois après la transition. Et il ne reste que, grosso modo, 5 mois. Et il faut aller vite. Et aller vite veut dire qu'il faut que un certain nombre d'actes soient posés. Mais que ces actes-là soient posés dans la légalité, parce que nous sommes dans un état de droit. Et donc, tout ce que nous avons fait dans le cadre de ces arrestations répond de cet esprit-là et de cet impératif. Et donc, ce n'est pas passé à perte et profit, ceux-là qui ont été relaxés. Ils se tiennent à la disposition de la justice pour la poursuite donc des investigations. Ils ont été simplement mis dans cette situation de liberté, mais ils restent à disposition de la justice. Le cas de Salif Kabore, qui, quoi qu'étant ministre, reste en prison, tient du fait que certaines accusations, sinon la totalité des accusations, des charges plutôt, portent sur des affaires qui relèvent de sa gestion avant qu'il ne soit ministre. Et donc, il peut bel et bien être jugé par les juridictions ordinaires. Je vous le disais en titre, la variabilité climatique et ses conséquences font l'objet de débats dans la capitale burkinabé. À la base de l'initiative, la Direction générale de la météorologie, en partenariat avec des institutions de recherche nationales et françaises. L'urgence pour ces acteurs, c'est de mettre en place un système d'alerte précoce pour faire face aux canicules de plus en plus persistantes dans la région du Sahel. Maxime Zongo. La variabilité climatique est un phénomène de plus en plus persistant. Conséquence, la température connaît une augmentation constante et les vagues de chaleur aussi, surtout au Sahel. Face au phénomène, la Direction générale de la météorologie a entrepris de renforcer le système d'alerte précoce à travers la formation des principaux acteurs. Particulièrement au Burkina Faso, lorsque nous faisons l'étude sur les 50 dernières années, nous remarquons que sur l'ensemble des zones climatiques du Burkina Faso, la température a augmenté. Particulièrement au nord, ça a augmenté de près de 3 degrés, au centre de près de 2 degrés, au sud de près de 1 degré en moyenne. Et ce faisant, on sait également que dans le cadre des changements climatiques, il y aura des phénomènes extrêmes, notamment donc des extrêmes de température, des vagues de chaleur, et il est donc temps que nous prenions de l'avance pour étudier l'occurrence de ces vagues de chaleur et également étudier l'impact sanitaire de ces vagues de chaleur. Sont alors conviés à la réflexion l'ensemble des acteurs de la météorologie, la climatologie, des sciences sociales, de la santé et bien d'autres. Objectif, jeter les bases d'une synergie d'action en matière de système d'alerte précoce. Cette initiative a pu se concrétiser grâce à un financement de l'Agence nationale de la recherche française et du soutien d'institutions nationales dans le domaine de la recherche. La grippe aviaire, on en parle dans ce journal. Véritable coup de massue sur les aviculteurs, en particulier ceux de la région du centre-ouest, rattrapés récemment par le virus H5N1 dans la province du Sangué. Plus d'un million et demi de têtes de volailles est menacée par la grippe qui se présente comme une véritable hémorragie pour l'économie locale. Jonas Wemba nous propose ici un dossier sur les répercussions de la grippe aviaire dans cette partie du Burkina. La province du Sangié constitue l'un des premiers foyers de la grippe aviaire au Burkina Faso. Cette maladie qui porte un coup dur à la filière volaille est apparue dans le courant du mois de mars dernier dans les communes de Tenado et de Pouni. Et à ce jour, des milliers de gallinacés ont été décimés. Dans les 3 villages là où la maladie a été observée, avant la maladie, il y avait environ 85 000 volailles, toutes espèces confondues. Et la maladie a tué près de 80%. Et bon, nous avons abattu environ 2 000. Les services de la santé animale, dès les premiers instants,
ont pris des mesures allant de la sensibilisation des populations au recensement et à l'abattage de la volaille atteinte pour endiguer le mal. Ici à Batondo, village situé à 8 km sud de Tenado, les équipes techniques vétérinaires exécutent leur mission sous le regard des aviculteurs désemparés. La majorité de la population nous a accompagnés. Donc on a bon espoir que nous allons avoir de bons résultats. Nonobstant cette collaboration harmonieuse, les aviculteurs décrivent le système d'indemnisation mis en place par le gouvernement. Ils trouvent le montant dérisoire et souhaitent son augmentation à 3500 francs CFA. Notre inquiétude, c'est le prix là. Ils ont dit qu'ils vont donner une poule à 1000 francs, alors que 1000 francs là, ça ne nous arrange pas. La grippe aviaire, cette peste fait écrouler tout un pan de l'économie locale. Et ça serait au regard du comportement des populations et au manque de moyens de faire face à une telle maladie que l'on arrive à cette situation fâcheuse. Si nous calculons la valeur de la volaille perdue à cause de la maladie et le manque de production, et nous pouvons évaluer la perte économique à environ 300 millions de francs dans les trois villages où la maladie a été déclarée. Les communes rurales de Tenado et de Pouni dans le Sangié ne sont pas les seuls à être touchés par la grippe aviaire. Sabou, dans la province du Boulkiemde, en est également un foyer. Et jusqu'à ce que la déclaration d'infection soit levée, tous les marchés et foires de volailles sont suspendus dans ces zones. Voilà un dossier que signe Jonas Wemba. Restons dans le centre-ouest où la capitale régionale a réuni les professionnels des métiers du monde rural. Objectif, valider les projets de référentiel et documents d'accompagnement en agroalimentaire. L'idée, c'est de mettre en place un accent sur le processus même de la qualification des acteurs du domaine. Et pour cela, les programmes de formation se doivent d'être en parfaite adéquation avec les besoins du marché. Les précisions dans ce reportage de Isaïe Parkouda. Du programme de structuration de l'offre de formation professionnelle et d'apprentissage, 5 référentiels de formation et de certification en agroalimentaire ont été élaborés. L'objectif étant de booster le développement agricole et de parvenir à l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Et les participants, acteurs de ce secteur, réfléchissent afin d'apporter leur touche pour plus de qualification des formateurs endogènes et le relèvement de la qualité des produits ciblés. Chez nous, nos entreprises, les associations et groupements de femmes, la plupart des membres qui travaillent et des employés qui travaillent sont formés sur le tas. Nous, nous sommes des scientifiques, nous avons des résultats et on veut traduire ça en référentiel de formation, pas pour former des maîtrisards, pas pour former des docteurs, mais des ouvriers qualifiés qui vont travailler dans les associations. Ce programme de structuration de l'offre de formation professionnelle et d'apprentissage est initié par l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies IRSAT. La coopération suisse s'est jointe au gouvernement burkinabé depuis 2009 pour valoriser la production agricole locale. Les 5 référentiels soumis à validation pourront donc servir d'outils de vulgarisation des meilleures pratiques de formation in situ. Les 5 métiers sont la filière céréale, qui est un produit largement consommé par la population, la filière fruits et légumes, notamment mangue, oignons, tomates, la filière karité, transformation des noix en beurre de karité, la filière tubercule, et puis enfin la filière soumbala. Le choix des 5 métiers s'inscrit dans les actions stratégiques de la mise en œuvre de la politique nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, en congruence avec la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Les difficultés qui freinent les activités liées au transit routier sont connues. Reste à y trouver des solutions adéquates. La Direction générale des douanes organise une rencontre avec les acteurs du secteur afin de faciliter le quotidien des transporteurs routiers. Un séminaire est en cours à Ouagadougou. Les précisions avec Boum Ernest Nebié, Zalissa Sanfo. À cet atelier de 48 heures, douaniers et transporteurs parlent le même langage. Ils échangent sur les voies et moyens à explorer pour faciliter les activités dans le domaine du transport et du transit routier, un secteur qui est en proie à de nombreuses difficultés.
c'est principalement les coûts, parce qu'il y a les tracasseries sur la route et le coût des transports. Vous savez que quand le transport est élevé, ça va jouer sur le prix de l'énergie et de la machinerie. C'est pour que nos partenaires nous accompagnent, pour que la modernisation puisse se faire dans l'administration des douanes. Il y a l'informatisation, et il y a la facilitation des procédures douanières et la célérité pour que quand les gens viennent au niveau des activités douanières, qu'ils ne prennent pas du temps parce que le temps, c'est l'argent comme on le dit. Cet atelier est le début d'une série de rencontres organisées par la Direction générale des douanes. Des rencontres qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet régional de la facilitation des transports et du transit routier en Afrique de l'Ouest, PRFTAO. Un appui de la Banque mondiale. Le calumet de la bête allumée est vraisemblablement entre les USA et Cuba après que le président Barack Obama ait demandé au Congrès américain de retirer de la liste des pays soutenant le terrorisme, donc Cuba. À Ouagadougou, l'ambassadeur de Cuba a animé une conférence de presse pour s'exprimer sur les enjeux du rétablissement des relations entre La Havane et Washington. Claudine Bicaba. C'est lors du 7e sommet des Amériques tenu dans la ville de Panama auquel la République de Cuba a participé pour la première fois que l'engagement a été pris par Barack Obama de rétablir les relations diplomatiques entre les deux peuples. Un rétablissement marqué par la levée du blocus imposé par les États-Unis à Cuba il y a plus d'un demi-siècle. Cuba considère que les mesures déjà adoptées par les États-Unis pour modifier la mise en place de certains aspects du blocus vont dans la bonne direction. Cependant, Cuba souhaite que ces mesures s'amplifient et que de nouvelles mesures soient adoptées. Une levée qui ne satisfait pas entièrement la partie cubaine qui persiste sur les revendications qui datent de l'époque de l'imposition de ce blocus. Des revendications auxquelles ils espèrent que les États-Unis seront prêts à répondre favorablement pour une normalisation véritable des relations entre les deux pays. En plus de lever des blocus, il y a des aspects importants tels que la restitution du territoire occupé par la base navale de Guantanamo, et sur lequel vous connaissez très bien, et la complète élimination des programmes dont le but est d'interférer dans les affaires intérieures économiques de Cuba. Dans les échanges avec la presse, la diplomate cubaine a reconnu que des difficultés subsistent. Cependant, elle pense que les deux États se comprennent mieux aujourd'hui, qu'ils peuvent cohabiter de façon pacifique et civilisée dans l'intérêt de leur peuple, de la paix et de la sécurité régionale. Chers téléspectateurs de la RTB, votre chaîne publique se veut plus proche de vous. Tenez, pour ses retransmissions en direct, elle vient d'acquérir un nouvel équipement dénommé Fly Away. La RTB s'inscrit désormais dans la réactivité, dans l'instantanéité partout au Burkina, comme à Manga où il était impossible jusque-là de faire un direct. Et je vous propose de suivre un extrait du duplex réalisé pendant le journal de 13h15 ce jour. Nous retrouvons Karim Patrick Namoano et le directeur de la prospective de la RTB qui était donc en direct à Manga. Le Flyway est un équipement de transmission qui a donc cette capacité de faire des retransmissions en direct de n'importe quel lieu à travers tous les territoires du Burkina Faso. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes à Manga, une localité qui, plusieurs années durant, nous n'avons jamais réussi à faire du direct à partir de cette localité. C'est pourquoi d'ailleurs, dans la mise en œuvre de cet équipement que nous venons d'acquérir, nous avons choisi de faire le premier test de cet outil qu'on appelle aussi la balise satellitaire. Et c'est cela que nous avons déployé en ce moment et pour pouvoir tester l'équipement et voir sa capacité. Du même coup, ça renforce en tout cas les capacités opérationnelles de la RTB qui désormais sera équipée de manière à pouvoir se déplacer partout à travers le Burkina et même au-delà du Burkina pour pouvoir faire donc des retransmissions en direct. Voilà, avant, nous utilisions le circuit d'un opérateur de télécommunications et ce n'était pas toujours chose aisée. Est-ce que désormais c'est beaucoup plus facile avec nous et quels sont les avantages comparatifs? Alors, c'est exact ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'avant, nous étions liés en tout cas à la capacité d'un opérateur.
Si cet opérateur est limité, d'office la RTB est limitée. Aujourd'hui, nous ne sommes plus liés par ces liens donc, de fonctionnalités. Nous sommes plus ou moins autonomes et c'est pourquoi nous avons un équipement qui, on dira que ce n'est pas très tôt que nous l'avons eu, mais c'est déjà en tout cas bien de l'avoir. Il est équipé donc, de matériel numérique et c'est déjà un grand pas pour nous de pouvoir faire du direct partout au Burkina. Voilà, c'est un grand pas, vous l'avez dit. Mais dites-nous concrètement, il y aura encore certainement d'autres investissements, d'autres actions pour faire en sorte que l'RTB puisse davantage servir les téléspectateurs. En termes de perspective, qu'est-ce que l'RTB fera désormais? Alors, comme vous le savez, l'actualité telle que justement les téléspectateurs attendent toujours vraiment la spontanéité, la réactivité. Et donc, avec cet équipement, la RTB renforce ses capacités en termes de réactivité, en termes de mobilité. C'est vrai que le seul outil ne suffit pas. Ne suffit pas pour être partout sur toute l'étendue du territoire. Donc ce qui veut dire qu'à terme, il va falloir essayer de multiplier ce genre d'équipement pour nous permettre en tout cas de quadriller les quatre coins du Burkina et être vraiment en temps réel au cœur des événements lorsque le besoin se fera sentir. Voilà, mesdames et messieurs, désormais, peu importe la localité, peu importe la distance, vous pourrez recevoir les images en direct à partir des événements sur toute l'étendue du territoire national et même à l'extérieur. Voilà, le meilleur donc reste à venir pour votre chaîne publique. Et puis, les quotidiens de ce jeudi 16 avril reviennent sur la saisine de la cour de la CEDEAO par le CDP et ses alliés. D'autres sujets sont également mis en lumière dans les tabloïds « Lus pour nous » par Abdoul Rasmane Zongo. L'adoption du nouveau code électoral continue de défrayer la chronique au Burkina Faso. Les chancelleries occidentales ne sont pas en reste. L'ex-majorité demeure inflexible, affiche aujourd'hui au Faso, dans sa manchette du jour, une inflexibilité renchérie par le quotidien Le Pays, pour qui l'ex-majorité engage un bras de fer comme s'il s'agissait d'un combat sur un ring duquel sortira un vainqueur. En tout cas, selon le porte-parole du groupe CDP et ses alliés, je cite, « Nous avons déposé un recours contre la révision du code électoral devant le Conseil constitutionnel. Parallèlement à cette démarche, nous déposerons également un recours devant la Cour de justice de la CEDEAO. » On peut lire à la une du journal Le Soir, « Le CDP et ses alliés attaquent la loi devant la CEDEAO. » Le groupe CDP et ses alliés décident, je cite, « d'entrer en résistance » en refusant de demeurer silencieux et inactif devant la dérive totalitaire et populiste qu'avancent les dernières initiatives du régime de la transition. À cela s'ajoute la saisine du Conseil constitutionnel et de la CEDEAO. Je cite « Un recours contre la révision du code électoral devant le Conseil constitutionnel et parallèlement en cours, un recours devant la Cour de justice de la CEDEAO. » Au même moment, le journal Le Soir nous apprend que le pays de l'oncle Sam désapprouve l'adoption du nouveau code électoral et appelle au respect du principe de l'inclusion. L'Union européenne s'associe à la position américaine. Ce point de vue de l'Occident, considéré comme une action, a suscité une réaction au sein des organisations de la société civile. En tout cas, une des OSC réagit. Justement, à propos de la position occidentale, Hervé Ouattara, porte-parole du collectif africain pour la Renaissance, il reste ferme, je cite, « La communauté internationale peut faire ce qu'elle veut, nous allons continuer à défendre la transition. » Fin de citation. Une façon pour dire « à chacun sa patate chaude ou à chacun sa préoccupation ». Quant au journal L'Observateur, il se questionne afin de savoir si le nouveau code électoral est liberticide, tout comme si aller à la haute cour de la justice de la CEDEAO n'est pas une précipitation douteuse. Voilà qui met fin à ce journal. Je vous retrouve tout à l'heure pour la synthèse de l'actualité. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina. Bonsoir.